Salut tout le monde, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle écoute de single. C'est le nouveau single de James Blake, Modern Sound. Avant même qu'on commence, je voulais juste vous dire... J'ai un nouveau fauteuil, t'es trop bien, j'ai un nouveau fauteuil. Avant j'avais cette merde. Bref, James Blake, si vous le savez pas déjà, c'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est un artiste anglais qui fait, de la musique électronique, mais assez expérimentale. C'est pas vraiment de la pop, c'est pas vraiment de la house, c'est pas vraiment de la folk. En fait, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a vraiment son style à lui. Franchement, c'est le genre de musique que j'aime beaucoup parce que, à la fois, il y a des sons très très harmonieux comme Overground ou Retrograde que je vous conseille d'écouter, mais aussi il y a des sons qui sont un peu plus, inspirés hip-hop, comme par exemple Take a Fall for Me avec The RZA de Wu-Tang Clan. Et donc, franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'adore cet artiste-là, j'attends vraiment son album qui s'appelle Radio Silence, qui devrait sortir cette année. Je le ferai cet album, c'est sûr et certain. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte un single. Là, apparemment, il a sorti un nouveau single, c'est Modern Soul. On s'écoute ensemble, c'est parti. Très calme, très posé comme son. J'aime beaucoup le piano et la voix de James Blake, surtout. Je trouve qu'il chante super bien. Je trouve qu'il a une très très belle voix et que du coup ça donne vraiment une atmosphère particulière au son. Bah, je m'attendais à quelque chose un peu plus. Soit plus électronique dans le sens où il y a plus de rythmique, de boîte à rythme un peu 808, 909 comme il a l'habitude de faire. Mais là c'était vraiment. Vraiment plus simple quoi, donc c'est pas mal et franchement j'attends vraiment son nouvel album parce que Overground, son dernier album, je vous conseille de l'écouter parce que pour moi c'est une petite merveille. J'ai mis beaucoup de temps en fait à l'apprécier, mais au fil des écoutes franchement il y a vraiment des perles, donc je vous conseille d'écouter Overground de James Blake. Bref, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé le son. N'hésitez pas à l'écouter avec le lien dans la description, aimez la vidéo, partagez la vidéo bien sûr, vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.